Les saisons sportives mécaniques correspondent au calendrier civil. En effet, on approche de la fin de l'année, donc de la fin des saisons. On vous l'a dit, tous les championnats sont serrés cette année. Quels seront les nouveaux champions? Tout de suite, le sommaire de votre émission Rupteur. Une émission pleine de promesses pour vous ce soir avec l'épilogue du championnat auto de Martinique. Du run moto en Guadeloupe pour la conclusion du championnat aussi. Un peu de jet avec Christophe Concourier au championnat de Guadeloupe. Allez, on démarre en WRC avec le rallye Suzuki dans Rupteur. Aïe 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 aïe. Ce rallye Suzuki des champions, qui clôture un championnat fort animé, a pour plus d'une raison un enjeu énorme. Premièrement, parce qu'il va permettre de sacrer l'un des trois pilotes prétendant au titre de champion de la Martinique des sports automobiles, sachant que les deux premiers sont ex-aequo, fait exceptionnel. Mais surtout, tout le monde attend de voir la prestation du pilote barbadien Neil Armstrong, venu participer à cette manifestation avec sa SX4 WRC, véhicule largement supérieur au véhicule des concurrents locaux. De plus, d'une manière évidente, nous savons que nous allons nous régaler avec les différentes batailles à tous les niveaux, notamment avec nos quatre amis de la Guadeloupe venus pour l'occasion. Dommage, un cinquième présent sur place n'a pu participer. Et des équipages guyanais un peu vantards ont eu quant à eux des soucis d'acheminement de véhicules. Mais bon, c'est tout de même parti pour ces 12 spéciales au lieu de 14, deux spéciales ayant été annulées pour des avis négatifs. La pluie a été présente tout au long de ce week-end pour ce rallye qui a la particularité de se dérouler à 80% de nuit, ce qui n'a pas effrayé le nombreux public présent sur place. Et ce cocktail détonnant, pluie plus obscurité, a eu raison de certains pilotes. Même pour l'une des voitures ouvreuses qui annonce le début du rallye, qui s'est fait surprendre par un virage. À cause de cela, et aussi à cause du retard accumulé précédemment, les deux autres spéciales sont annulées le vendredi soir. Autres victimes de la route mouillée, Tony Torrell et Jean-Michel Auguste ont dérapé sur une portion glissante juste après l'arrivée de la seconde spéciale et le tandem Alivon-Orosman fait une touchette, repart, mais constate que les dégâts sont assez élevés donc préfère arrêter. D'autres abandons aussi, mais sur problèmes mécaniques, ainsi les Guadeloupéens Joël de Russie et Rodrigue Pelé, et les locaux Galets de Saint-Aurin Catio, Sulter, Melgir, quittent prématurément leurs camarades de bataille. Heureusement, la majorité du plateau et de ses animateurs sont encore présents et sont prêts à se lancer sur ce long rallye, mais juste avant, faisons un petit tour en Guadeloupe. Alerte orange, une fois n'est pas coutume, nous avons été les mauvais élèves de la journée. Notre venue en Guadeloupe s'est faite avec du retard et surtout sous la pluie. Cette dernière étape du championnat de run moto, championnat organisé par le club des Abîmes, s'est tenue aux Abîmes. Et pour marquer le coup, c'est sur une distance raccourcie de 200 mètres que les compétiteurs se sont exprimés. La pluie est donc venue jouer les troubles faites, mais néanmoins, entre deux éclaircies, Guy Valsin a pu signer le scratch de la journée sur une moto qui lui a été prêtée le matin même. On vous l'a déjà expliqué, dans des conditions d'adhérence précaires, le moins de chevaux, le plus beau chrono. Et grâce à ce chrono, le champion Run 2013 pour un point de différence avec son dauphin, c'est Guy Valsin. Quand je suis arrivé ce matin, quand j'ai vu la pluie, j'ai dit que ça n'ira pas pour moi aujourd'hui. Et malheureusement, il y a un pote qui m'a passé une moto qui est beaucoup moins puissante que ma moto et j'ai réussi à gagner le run aujourd'hui. Mon Ayabusa, elle était là, mais elle a trop de puissance pour ce genre de terrain aujourd'hui. Guy, donne-nous tes impressions. Le championnat reste pour moi. J'ai gagné le championnat, plus le run. Lionel, comment ça s'est passé? Les conditions météorologiques n'étaient pas fameuses du tout. On était obligé de faire avec, mais c'était vraiment pas, c'était pas du tout évident. Ouais, désavantagé avec, sur ce 200 mètres, avec ta moto aussi puissante. Plus de puissance avec un temps comme ça, c'est pas favorable. Et finalement, la conséquence, ça te coûte le championnat? Ça me coûte un championnat, ouais. De un point d'écart. Un point. Le plus petit écart qu'il puisse y avoir. Comment tu vis ça? Vous savez, il faut savoir, on est content qu'on en gagne, il faut savoir perdre aussi. El Diablo gagne la catégorie des véhicules d'usine. Pour cette année 2013, j'ai été vraiment très content de cette course. Et qui m'a permis de finir en première position alors que j'étais deuxième. On remercie toute l'équipe du club moto des Abîmes sans qui nous ne connaîtrions pas cette discipline. Prochainement à l'honneur en Martinique d'ici l'année prochaine. Voilà, dans le même temps se tenait la troisième manche du championnat de jet ski et bien sûr le temps n'était pas au beau fixe pour ce rendez-vous. On a pu récupérer quelques images et rencontrer Christophe Concourier, notre Martiniquais national qui figure dans le peloton de tête.
Une bonne journée pour toi, Christophe. Elle s'est très bien passée, puisque je remporte bien sûr la journée, la première manche haut la main, la troisième manche beaucoup de gestion, puisqu'il fallait aussi fonctionner avec le classement général. Donc naviguer, accélérer, mais surtout faire attention aux points qui me séparent des autres concurrents. Très très grosse condition, je pense que vous avez diffusé hier soir la météo en mettant et en annonçant des creux de 3 mètres. Donc très très grosse condition, il fallait ramener la machine, il fallait ne pas casser physiquement aussi et gérer tout ça pour aborder les prochaines manches où je pense on va avoisiner aussi des creux de 3-4 mètres, serein, positif, avec une bonne machine et une bonne équipe. Ce résultat, c'est pas mon résultat, c'est le résultat d'une équipe, de Gérard, Christophe, mon mécano, de tous ceux qui m'ont accompagné, Patrick, tout le staff, et puis gros entraînement physique. Je tiens à remercier la région Martinique, M. Letchimi et son équipe qui ont cru en moi, porter les couleurs de la Martinique ici et aussi en métropole. Je remonte deuxième sur le classement général provisoire, avant des très très grosses manches avec de gros pilotes comme François Mérodori et Alexandre Barré. On vous promet de bien belles images pour le prochain rendez-vous de ce championnat et on ira faire un tour du côté de l'île natale de la mère de Bertie, votre serviteur. Et on parle donc de Marie Galante, ça promet Eric. Une course, je dirais, très difficile puisqu'elle se tient sur 2 jours. Et puis, à la fin du mois de février, à la dernière manche, à Viard, avec un parcours qu'on va retrouver à la Carwidget, c'est-à-dire une manche qui ira au Sainte et qui va revenir. Donc, les pilotes, je dirais, montent dans leur préparation crescendo parce que l'objectif, je pense que pour eux, c'est d'être en pleine forme pour la Carwidget qui aura lieu au mois d'avril. Ben, j'espère que les Martiniquais viendront me soutenir et les autres pilotes Martiniquais qui vont faire aussi le déplacement. Donc rendez-vous le 18-19 janvier pour Marie Galante, le 23 février pour la manche des Saintes. Franchement, regardez Hauteur parce que c'est vraiment intéressant. Je suis satisfait de Hauteur. Au revoir. De retour en Martinique pour la suite et la fin du rallye Suzuki qui va déterminer le champion des sports automobiles martiniquais 2013. Nous voici de retour en Martinique où nos 20 équipages prennent le départ des 2 premières spéciales inédites. Et d'emblée, une crevaison lente touche l'équipage Armstrong Ward. Des problèmes de coupure moteur pour le duo Montgaillard-Périllon. Cela ne les empêche pas de se tirer la bourre et Montgaillard s'impose avec 5 secondes d'avance sur Armstrong. Ironie du sort, le capot du tandem Pardo-Raymoninck s'ouvre en pleine spéciale. Vous vous souvenez, il aurait arrivé la même mésaventure au rallye 208 GTI. De ce fait, il perd de gros dès le début du rallye. Sur la seconde spéciale, Nel reprend 7 secondes à Jean-Philippe, ce qui lui permet de passer en tête. Malheureusement, une sortie de route de la voiture ouvreuse ainsi que du retard accumulé contraignent les organisateurs à annuler les spéciales 3 et 4. Du coup, tout le monde rentre et a hâte d'être au lendemain pour la suite de ce rallye. Direction le Morne Rouge en fin d'après-midi pour la suite de ce rallye. Et encore une fois, la pluie fait son apparition. L'équipage Pardo-Raymoninck sort la grosse attaque pour essayer de refaire leur retard. Après ces 2 spéciales PLN, le duo Armstrong-Ward mène toujours la danse. Mais que de 5 secondes sur un équipage Montgaillard-Périllon privilégiant l'efficacité. Vincent Pardo remonte 8 secondes à Jean-Philippe et se rapproche un peu tout en glisse. On arrive juste après à Foncagny au Lorrain. Ce terrain particulièrement étroit et particulier était avantageux pour les petites voitures. Cependant, c'est Neil Armstrong qui fait le scratch au premier passage, collant 1 seconde à l'équipage Pardo-Raymoninck qui ne cesse de remonter sur le tandem Montgaillard-Périllon qui perd 12 secondes par rapport au leader. Mais c'est au second passage sur ce parcours que la physionomie du rallye change. En effet, l'équipage Armstrong-Ward fait une sortie de route sans gravité, mais ne peut repartir. C'est l'abandon pour eux. À
ce moment, Jean-Philippe Mongaillard possède 31 secondes d'avance sur son concurrent au titre, Vincent Pardo. Il reste 4 spéciales. Il faudrait que Vincent reprenne à peu près 8 secondes par spécial pour prétendre à la victoire et au titre. Jean-Philippe et Jacques-André, sachant cela, enchaînent 2 temps scratch de suite sur les deux passages de Morneli-Font-Saint-Jacques. Le circuit est toujours mouillé et à l'entame des 2 dernières spéciales, le pilote de la C2 compte 30 secondes d'avance sur le pilote de la Mitsubishi. Sauf erreur ou casse mécanique, l'équipage Pardo-Raymonin ne pourra jamais remonter ce retard. Il sort quand même la grosse attaque, mais finalement doit s'incliner. Le grand vainqueur du rallye et les grandissimes champions de la Martinique des sports automobiles, ce sont eux, Jean-Philippe Mongaillard et Jacques-André Périllon. Félicitations, champions. Merci pour une fois, toi, beau champion, veut dire quelque chose. C'est grâce à Jacques-André, à Georges, qui s'est toujours occupé de la moitié, qui m'a toujours donné du bon matériel, et à Roger Nichon pour toutes les aides qu'il m'a apportées, ainsi que nos partenaires, donc à Matt. Le podium de ce rallye est complété par le frère de Vincent Pardo, copiloté par Willy Nalamutu Sancho, le champion 2011. Ces deux pilotes s'échangeaient à tour de rôle le volant lors de cette course, et oui, le règlement le permet. Ce tandem réalise une bonne prestation en se classant 3e. Ils sont montés progressivement en puissance et ont été assez réguliers tout au long de ce rallye. Les 4e, ce sont Rudy Rodney et Joan René Corail. En fait, on avait une stratégie dans les premières spéciales. Il fallait pas attaquer, et sur la fin, on devait tout ce qu'on fait. Des performances en demi-teinte tout au long du rallye, mais une 3e place finale du championnat pour Philippe Egoui et Michel Azéro, qui s'emparent par la même occasion du titre en catégorie F2000. En 6e position, on retrouve les champions de Guadeloupe en titre, qui découvraient quelques spéciales, mais qui prennent toujours autant de plaisir à rouler sur nos routes. Ferrare sur une course, 2 pilotes terminent ex aequo, mais il faut quand même un 7e et un 8e. Et en 7e position, on retrouve Bruno Marie-Claire, qui connaît de mieux en mieux son véhicule, et son copilote Grégory François, qui, on le rappelle, a gagné la dernière course de côte moto et commence à s'aguerrir dans sa nouvelle fonction. 8e position à la fois satisfaisante et décevante pour l'équipage Rosette Fidol, qui était classé 5e à l'issue de la première étape. Dommage, mais c'est un pilote qui monte. Juste après Didier, on retrouve un autre jeune. Félicitations à Willy Desca, qui termine son premier rallye national. Il était copiloté pour l'occasion par Luc Cordemy, lui-même pilote. À la 10e et à la 11e place, on retrouve un petit tir groupé de Guadeloupéens. En effet, Cédric Tell, dont c'était la première participation à un rallye des champions, a devancé Nicolas Perrault-Malcan, un habitué à nos courses ici. Toujours en apprentissage, l'équipage théotiste Annette est content de rallier l'arrivée de ce rallye qui leur a paru long, 12e. Ils réussissent quand même à rallier l'arrivée. Dominique Aldon, cette fois copiloté par Max Sema, a fait une petite sortie de route sur la 2e spéciale. Parvient à repartir, mais pas à remonter le temps perdu. Dommage, il a réalisé d'excellentes prestations tout au long du rallye. Tous et d'autres vous donnent déjà rendez-vous la saison prochaine pour une nouvelle saison au moins aussi riche que celle qui vient de s'achever. Restez connectés sur Rupteur. C'est ainsi que s'achève votre émission Rupteur. Au sommaire la semaine prochaine, la dernière manche du championnat de course de côte moto en Martinique, la dernière manche du championnat de course de côte moto au Carbet, la dernière manche du championnat de jet ski toujours à Fort-de-France en Martinique, ainsi que la finale de motocross en Guadeloupe avec la participation d'Alexis Maïlus. À très bientôt dans Rupteur.